comme par miracle, tout s'apaise. Aurait-on entendu la supplique de l'enfant? Car après le fracas des vagues, c'est maintenant le silence. Un silence impressionnant dans lequel s'enfonce ce pierre. Serait-ce là la fin de son étrange voyage? L'endroit est glauque, parcouru de longues sinuosités d'êtres étranges. Bronze, liane, lierre géante dans un gigantesque lacis aérien. Frôlements inquiétants des grands habitants des lieux. Et Pierre, si petit dans ce dédale immense. Je veux partir d'ici, retourner dans le ciel, revoir les étoiles. Alors, une main invisible écarte la forêt marécageuse. L'enfant est à nouveau dans les airs. Je rentre chez nous. Ah, bonhomme. Pas tout à fait. Pas encore.